pose ton arme, dépose. Pourquoi tu la poses là? Ah Mais parce ok, c'est bon, que... c'est bon, c'est bon. Ta gueule. Attends, je sais plus c'est... Quoi? Quoi? Je sais plus c'est... Pas trop chamboulé? C'est toujours dur de perdre deux collègues comme ça. Ouais, j'imagine. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, rien. Putain, ça me fait chier aussi, quoi. Ironie, ce que tu dis. Quoi? Non, 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 c'est vrai. Mito. Genre, c'est chiant, tu vois, 22, ça a l'air d'être un bon gars et tout. Et donc c'est ironique. Bah non, 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 je le pense vraiment. Mito. D'accord. Ils ont voulu jouer avec mes burnes là, pas de problème, ils vont voir c'est quoi. La fin de la BPF. La dame 24, on prend le lead. Ouais, 4-4. On prend le lead et pas que. Ouais, mais par contre, moi je suis plus rapide que. Voilà, dealer. Espèce de suicidaire, tu comptes nous rouler dessus, c'est ça? Il va fermer sa gueule, le petit cadet à côté, ou faut que tu rentres dans le. Il va nous rouler dessus? Comment tu sais qu'il est cadet même? Toi, tu sais frapper là où parce ça fait mal. Je sais mal, très hein. Bien, vu qu'il était avec 10 la dernière fois, faire ses menaces à la frapper là où ça fait mal, regarde un bim. Voilà, c'est un mec comme des rats. Hein. Quoi? Quoi? Le bâtard. Dame 10 à Dame 24, on fait une répa rapide. 10-4. Réalité. Encore, il nous a roulé dessus. C'est des fous. C'est quoi, c'est fou? Il est monté au-dessus, là où j'ai déposé 14. De 17 à 10, je pense que je vais rester à côté du véhicule comme ça après. Comment se dit, c'est oh shit! Il y a un des suspects qui est tombé. Il est sur moi, il est sur moi. C'est 4. Un des suspects qui est tombé. Allez, tu bouges pas, hein. Voilà. Big C'est 4, attention, les chibrek vont arriver en direction du pont là. Allez, il est toi. C'est 4. Voilà. Vous en avez un MS? Hein? Ouais, j'ai besoin d'un bijou. Bon, allez, je t'enlève ta radio, ton téléphone. Lève-toi. Tu te mets contre le mur. Oh putain. T'enlèves ton bandana. On l'a vu, il y a
Il y a 200 mètres, apparemment il avait rien à voir. Ok. Allez, je te mets dans la voiture, fais attention à ta tête. Je suis à 1 km, j'arrive. Hop là. Par contre, 24, on est d'accord, le taser ça fait rien quand il pleut aussi. Ah bah si, le mec il le tue. Et madame, t'es plus jolie ou c'est comment? Vraiment, je me trouve belle en ce moment, j'avoue. C'est ça, c'est ouf, c'est incroyable, tu rayonnes de beauté. En plus, c'est comment parler aux femmes. Ok. Oh, tu viens avec moi. Ouh. Allez, on est parti pour 5 minutes de garde à vue. Comment tu vas? Bah, tu sais quoi? Ah, tu cours, tu vas patienter encore. Voilà. Y'a pas de problème. Ah, tu veux jouer les couilles avec. C'est là des heures et des heures. Ah, tu peux rester à des heures et des heures. Tu sais pas à qui tu parles. Tu parles à l'ancien ambassadeur de la brigade Big Fish. Là, je crois que t'es pas prêt. Je crois que tu sais pas, toi. Je parle surtout un trou du cul qui sait même pas remplir une fiche. Ça se fait pas! Non, mais écoute, j'étais old school. À Détroit, c'était plus old school. Tu vois, là, y'a plein de trucs dématérialisés. Et tout. Ouais, bien sûr. Ah, tu veux jouer à ça? Oh putain. Déjà, pour être old school, fallait rater des gens. Ouais, bah old school, moi t'inquiète pas, à Détroit ils rasaient les murs quand ils entendaient la sirène de la BBF, hein. Ah, j'ai rien du tout, c'est toi qui rasais les culs pour pas te faire enculer. Ah, tu crois que c'était moi qui rasais les murs, hein? Ah ouais. Venez comme moi. On y va. Enfin, en tout cas j'y vais, parce que je donne pas d'ordre à mon commandant, moi. Oui, tu vas? Ouais, je le vois, mais t'inquiète pas, hein. Putain, putain. On se reverra, Ant-Man, l'homme fourmi. Ouais, t'inquiète quand tu veux. Bon, mon commandant, vous allez bien sinon? Vous êtes remis un petit peu dans les événements? Ouais, ça va. Oui, et toi? Ouais, ça va. Hein. Part pour 22, je suis vraiment dégoûté, quoi. Mince alors. Très bon mec, hein, j'en doute pas. J'ai l'impression de sentir de l'ironie. Non, vraiment. Ne donne pas ton prénom, ça sert à rien d'avoir un matricule. Ils vont raser les murs, mon commandant. Mais d'accord, à l'avenir, je le serai. Tiens, je dis pas 77 Larry Hawkins. Ça n'a aucun intérêt sinon. Ok, ça marche. Ravi de connaître votre nom et prénom, mon commandant. Tout ça, c'est écrit sur internet. 14. Ah. Non, mais croyez pas que je m'investis pas. Hein. C'est juste que. Dans tout le cas, tu vas avoir une déposition à faire. 24 va te montrer comment on fait. Il y a l'otage. Et allô, c'est ça, tu veux que je montre comment on fait une prise de déposition, mais moi je sais pas comment on fait. Quoi? D'accord, du coup, prise de déposition. C'est quoi ces agents incompétents, bordel? Mais après, ça me forme. Dans mon véhicule? Dans mon pas les ordres des supérieurs. J'allais du côté du Blue Pearl au niveau du parking. Tranquille Eminem, s'il te plaît, j'écris en même temps. Je te jure. Par contre, celui-là, vous me le virez pas. La vie de merde, Eric Thorne, il va se refaire kidnapper, il va plus jamais rien déposer des positions. Non, je viendrai juste pour voir 14, t'inquiète pas. Juste pour 14. Alors, Eh putain, mais c'est fou parce que tu rêves de trucs qu'on lui ou t'es pas genre un voyant ou quoi? Ouais, c'est bien. Ça, c'est la photo que je lui ai montré. Ça dépend, tu veux pas écouter. Ouais, c'est bien. Elle me défonçait. Wouah. Bah écoute, moi je suis plutôt bien payé là-bas, donc tu me promets. Ah, mais ça, oui, mais on l'argent. Bah, t'as certainement un zéro de plus que nous. C'est ça. Un zéro? Bah, je suis pauvre, hein, faut pas croire. Ah, un zéro! Eh non, mais un zéro, c'est comme la France contre la Belgique, ça je reconnais. Ah, mais oui, là. En parlant de famille, je saute. Les enfoirés. Parce qu'elle est belle aussi. T'as un petit film comme ça. Alors, 14, ta brigade Bitfish là. Mais c'est pas moi, c'est des comptes fans. C'est quoi ton compte? C'est pas moi. On va se toucher le. On va se toucher la. Attendez, j'attends. Ouais, ouais. On va se toucher la kickette. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Si les douches. Qu'est-ce qu'il y a? Le travail du capitaine. Qu'est-ce qu'il y a, 7-5? Oh non. Attendez, je vais y faire le geste de premier soin, bougez pas. Hein. Bougez pas. Laissez-moi tranquille. Alors ça n'a fait pitch, tu me fais des tests et après tu fais comme ça. Petit bâtard. T'inquiète pas, on va te régler. Tant que je passe officier, fils de pute. Allez, hein. Y a rien à faire pour lui, je crois, faut vraiment l'amener à l'hôpital. Putain, je suis dégoûté. Je le vers l'accueil, tu le poses et tu lui. Faudrait juste que tu prennes sa main et que tu signes le registre.
tu lui remplis tout déjà. Quoi? Tiens, quel âge il a ce trou de balle? Je crois qu'il a 30. 30 quel âge il a ce 35, il fait 35, un beau 35. C'est un bon 35. Hein. Il a quel âge ton cul? Non. Ouais, avec le violet là, non? Ouais. Ah, ouais Simba, c'est moi le roi, royaume animal. Mais tu sais qu'au début. Moi, c'est faut que j'apprenne. Au début, je savais pas, mec. Hein. Mais genre, vraiment. Mais en plus, ça se voyait de ouf. Hein. Même sans le savoir. Ah ouais, ça se voyait de ouf, tu trouves? Il la lâchait pas, frère. Genre, vraiment. Il la lâchait pas, il était non-stop sur elle. Ah ouais, c'est comme ça que ça. On ça peut dire que Simba a l'écrou. C'est technique celle-là, je la garde. Vous voulez que je vous la nettoie, mon commandant? Parle de quoi? Dommage. Tort, j'aime pas les susboules, bordel. J'aime pas les susards de bille. Je pète ma cible derrière l'écran. Quand le couteau dans ma poche, les petits voyous me mettent tous à cran. J'essaie d'arrêter le rap, mais je crois que je suis devenu accro. Hey, dans la LSPG, t'inquiète pas, on va bien s'ancrer.